C'est parti. Alors, le plan du TD2, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un premier problème de sémantique, c'est-à-dire on parle à un niveau d'abstraction élevé. On ne descend pas dans un langage, mais on discute sur un problème classique de modélisation concurrente et comment on le, quels sont les problèmes que ça pose et comment on peut résoudre ces problèmes. C'est, je pense qu'on refera cet exercice au TD5, mais cette fois-ci dans un cadre formel. D'accord? Là, on le fait de manière informelle, enfin, ou semi-formelle en écrivant des formules, mais ensuite on aura un outil à notre disposition pour écrire ce genre de choses dans un langage de modélisation, pas un langage de programmation, et pour ensuite vérifier automatiquement les propriétés sur ce genre de système. Ensuite, on a un ou deux exercices de thread classiques. Je corrigerai celui-là. Alors celui-là est plus difficile, mais je donnerai un schéma. Et je corrigerai celui-là parce que je crois que j'ai une correction en mauvais camel des anciennes personnes qui faisaient l'UE PC2R. Donc on pourra la regarder ensemble et puis la commenter. Ce sera le moment de parler un peu des différents styles de programmation. Donc l'ordinateur explicite. Et puis ensuite défaire thread. Toujours le bourgeois gentilhomme. Une histoire d'envoi, d'attente et d'événements. Et puis on peut regarder, alors pareil sans descendre dans le formalisme, l'exercice d'examen réparti de FairThread il y a 3 ans. Et ensuite on discutera un peu du TME où je vous referai le schéma du TME que j'avais commencé à faire en cours, afin que vous soyez tous, vous ayez tous une idée de ce qu'il faut écrire et que vous ayez juste à vous battre avec le compilateur, enfin GCC, le linker et les FairThread. Alors, on commence par cette histoire de train. On nous dit, on modélise un problème de circulation de train. On dispose d'une voie V1 sur laquelle des trains circulent d'est en ouest et une voie V2 sur laquelle des trains circulent d'ouest en est. Donc on va faire le schéma des voies ici. Donc on a une voie V1 qui va d'est en ouest. Donc ça c'est la voie V1. Et ici c'est la voie V2. Et alors l'idée c'est que ces voies vont partager un segment de voie. Et ce segment c'est cette chose-là. Voilà. Hop. Hop. Donc, vous avez ici votre train qui va dans ce sens-là. Là, le train va dans ce sens-là. Là, le train va dans ce sens-là. Et le train va dans ce sens-là. Donc, vous avez deux voies qui continuent à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais vous voyez l'idée. Des V1. La voie V1 va la voie V2 et elle partage une section critique ici de voie. Et évidemment, comme les voies sont en sens inverse, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait à la fois un train qui va dans ce sens-là sur ce segment et un train qui va dans ce sens-là sur ce segment, parce que c'est la catastrophe ferroviaire assurée. Et donc pour ça, on veut écrire un contrôleur. Et un contrôleur, ça veut dire quelque chose qui prend des informations de la réalité à l'aide de senseurs et qui produit des effets dans la réalité à l'aide d'actuateurs. Donc ce qu'on veut, c'est écrire ici un contrôleur. Et un contrôleur, ça veut dire une pièce de programmation, un programme, qui va prendre de l'information de l'extérieur et produire des effets sur l'extérieur. Et on veut réfléchir à ce problème de train et aux différentes propriétés qu'on peut prouver ou non sur ce programme et sur le système en général. Alors, les voies se partagent un segment S sur lequel, de fait, les trains peuvent rouler dans les deux directions. C'est cette partie-là, le segment S. Ensuite, on nous dit, pour éviter un accident, on dispose d'interactions avec ces trains, qui sont des feux bicolores placés en amont de la voie. Donc ici on a le feu F1 et ici
On a le feu, F2. D'accord? Donc ce feu-là, il permet d'empêcher un train qui arrive en V2 de rentrer sur le segment. Et ce feu qui est là, il permet d'empêcher un train qui arrive sur le segment V1, qui arrive de la voie V1 de rentrer sur le segment. Donc les feux, vis-à-vis de notre contrôleur, ce sont des effets dans le monde réel. Les feux, ce sont des effets du contrôleur. Le contrôleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler les feux. D'accord? Et puis on nous dit ensuite, les feux sont reliés à un système de capteurs détectant la présence ou l'absence de trains sur chacune des voies. Et donc il y a un système de capteurs où on a ici le capteur CI1, ici le capteur CI2, ici, non, pardon, pas CI1, CO1, ici le capteur CI2, et ici le capteur CO2. Donc on a quatre capteurs, pardon, et ces capteurs, ils récupèrent des informations de la réalité pour les envoyer à notre système. Et donc vous comprenez ce qui se passe. Le contrôleur prend les informations des capteurs et décide du comportement des feux. Et en fonction de ces informations du capteur, il doit pouvoir décider d'un comportement de feu qui fait en sorte qu'il n'y a pas de train qui se rentre l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas deux trains en même temps sur le segment S. Et la question, c'est comment on fait pour programmer ce contrôleur, ici, qui gère une situation de concurrence, en réfléchissant que les seules informations qu'il a, c'est l'état des capteurs, et les seules actions qu'il a, c'est les actions sur les feux. Alors, faire un schéma du système, c'est fait. Alors, le schéma serait un peu mieux si on reliait les flèches rouges aux trucs rouges et les trucs bleus et les flèches bleues aux trucs bleus pour bien dire que ce qui est bleu, c'est l'information qui va rentrer dans le contrôleur et ce qui est rouge, c'est ce sur quoi le contrôleur a un effet. Énoncer une propriété de sûreté et deux propriétés de vivacité pour ce système. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais, hein, quand on programme de manière qu'on programme avec la concurrence, on veut garantir certaines propriétés à notre ensemble de programmes. Et il y a des propriétés qui sont et ces propriétés, on peut les classer en plusieurs catégories. Et généralement, on les classe en termes de safety, liveness ou autres, celles qui sont ni l'une ni l'autre. D'accord? Donc safety, c'est des propriétés, on dit en français de sûreté. Liveness, on dit de vivacité. Les propriétés de sûreté, c'est celles qui disent le système n'arrive jamais dans un mauvais état. Et les propriétés de vivacité, c'est celles qui disent le système fait finalement, au bout du compte, quelque chose de bien. Donc sûreté, c'est on montre qu'on ne fait pas quelque chose de dangereux. Et vivacité, c'est on montre qu'on fait quelque chose qui est désirable. Donc c'est deux types de propriétés différentes, et il faut bien comprendre que dans la vraie vie, ces deux types de propriétés vont pas être. Elles ne vont pas être. Maintenant je flippe que je suis pas en train d'enregistrer, mais. Qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air bon. Ces deux types de propriétés, elles vont pas être vérifiées de la même façon. Par exemple, si vous avez un moniteur, quelque chose qui regarde en permanence ce qui se passe dans votre système. Moniteur, il peut vérifier des propriétés de sûreté, il peut dire attention, il y a quelque chose de mal qui s'est passé, mais il ne peut pas vérifier des propriétés de vivacité, il ne peut pas dire au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Okay? En fonction du type de propriété, on ne va pas avoir les mêmes manières de vérifier ces propriétés. Et puis vous verrez au cours et au TD5 en spin, et puis l'année prochaine en PPC quand on fera du UPAL, on peut manipuler différemment. Ces propriétés de sûreté et de vivacité avec des modèles checkers et les écrire avec des quantificateurs, etc. Alors, où on en est? Énoncer une propriété de safety. Alors, une propriété de sûreté, est-ce que vous avez une idée? Il ne faut pas que F1 et F2 soient verts en même temps. Alors, oui, c'est vrai. On peut mettre que propriété de sûreté. F1 et F2 ne sont pas verts en
Même temps. Est-ce qu'on peut dire une autre propriété de sûreté? Est-ce qu'on arrive à voir un autre état désirable ou indésirable? Pas forcément. Après, on peut toujours dire la même chose. S'il y en a un qui est rouge, l'autre qui est vert, mais ça revient au même. Alors, on peut l'exprimer comme ça. On pourrait dire aussi F1 vert implique F2 rouge. F1 devient vert avant que le train sorte de S. Alors, votre propriété, elle est intéressante. Je vais la mettre. F1 vert avant que train sort de S. Cette propriété, elle est intéressante parce que elle vous dit. Non, attendez. F1 n'est pas vert. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire, si jamais on a un train qui rentre là-dedans. Si jamais on a un train qui arrive ici et qui est dedans, il faut pas que ce feu-là se remette au vert si jamais le train est pas sorti. C'était peut-être ça que vous vouliez dire. Et c'est une bonne propriété de safety, c'est-à-dire on ne veut pas rentrer dans un état dangereux et on ne veut pas que ce feu-là se mette au vert s'il y a un train dans S. Et alors on pourrait réécrire encore votre propriété. Non, avant que le train sorte, on va mettre si un train et dans S, alors F1 n'est pas vert. Ça a l'air complètement désirable comme propriété de safety de dire que on veut que ce ferme. Mais, et c'est typiquement ce que votre client peut vous donner. Vous êtes programmeur sûr, vous avez modèle checké vos programmes, vous avez un client qui, dans le cahier des charges, vous dit, alors voilà mon système, et je veux pas que ce feu-là soit ouvert tant qu'il y a un train sur le segment là. Sauf que ce qu'il vous a donné comme modèle le client, c'est il vous a donné comme modèle un modèle dans lequel il a quatre capteurs et il a deux feux. Et le contrôleur, lui, il a juste les informations du capteur et des feux. Donc il n'est pas capable, le contrôleur, de décider s'il y a un train ou pas. Enfin, en fait, c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'il n'est pas capable de détecter s'il y a un train ou pas, mais peut-être qu'il peut le déduire des différentes choses. Vous voyez, il n'y a pas de capteur dans S. Donc il ne peut pas dire est-ce qu'il y a un train ou non dans S. Il peut dire est-ce qu'il y a un train en attente ici, est-ce qu'il y a un train qui est sorti là, mais il ne peut pas dire est-ce qu'il y a un train dans S. Donc cette propriété, c'est une bonne propriété que votre client pourrait parfaitement vous demander. Par contre, pour vous, ça ne va pas être une propriété prouvable parce que ou exprimable directement parce que vous n'avez pas de capteur dans le système S. Et que votre client, il n'avait qu'à vous fournir un système avec un capteur S s'il voulait énoncer une propriété sur le fait qu'il y avait un train dans S. Donc c'est une très bonne remarque parce que ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut énoncer ou pas comme propriété, et une fois qu'on les a énoncées, est-ce qu'on pourra les prouver ou pas dans notre système. Donc très bien, maintenant réfléchissons à des propriétés de vivacité. On peut dire, donc vivacité ça veut dire il faut que quelqu'un qui attend puisse éventuellement, alors éventuellement c'est un faux ami, en français on dit au bout d'un moment, il faut que quelqu'un qui attend au bout d'un moment puisse passer. Donc on va dire quelque chose qui va être si CI1 s'allume, c'est-à-dire si on capte un train qui arrive, on sait rien, alors F1 devient au bout d'un moment, c'est le eventually anglais, au bout d'un moment vert. D'accord? Si CI1 s'allume, alors F1 devient au bout d'un moment vert. Et on peut aussi dire, si un feu est rouge, il devient au bout d'un moment Donc ça, c'est des propriétés. Si un train est dans S, alors F1 n'est pas vert. Pourquoi nécessairement F1? Ah oui, non, non, c'était une propriété. Amine, ici, c'était un exemple de propriété. Effectivement, si F1 n'est pas vert, on aurait bien pu mettre F2 à la place. Tout à fait. Ces propriétés-là, j'en ai énoncé quelques-unes, mais on peut en énoncer beaucoup plus. Hein. Pardon, c'était des exemples de propriétés. Donc là, par exemple, j'ai mis si CI1 s'allume, alors F1 devient vert au bout d'un moment.
J'aurais pu écrire si CI2 s'allume, alors F2 devient vert au bout d'un moment. Et si un feu est rouge, là il voulait, j'ai pas spécifié, mais j'écris mal, si un feu est rouge, il devient au bout d'un moment, il vous devient vert au bout d'un moment aussi. Donc là, ce qu'on est en train de. Ou alors on peut encore une autre propriété de vivacité, ça devrait dire de dire que CI1 implique eventually CO1. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce symbole-là? Alors des fois vous me dites oui, on a fait de la logique temporisée en logique. Mais j'imagine que c'est quand même une petite proportion d'entre vous seulement. Voilà, donc. Et ceux qui disent oui, vous pouvez confirmer que dans quel lieu vous avez vu cette modalité? LRC. D'accord, donc c'était au premier semestre, c'est ça? Donc ce symbole-là, c'est un symbole qui s'appelle eventually en anglais. C'est une modalité de la logique. Ça permet d'apporter un sens nouveau à la formule qu'il y a derrière. On en reparlera au cours 5 et on en reparlera l'année prochaine en PPC quand on écrira des formules de la logique de NSI mineur, par exemple. Donc, eventually, ça signifie eventually phi, c'est-à-dire la formule phi est vraie au bout d'un moment dans le futur. C'est-à-dire il existe un endroit dans le futur où la formule phi sera vraie. Et puis le dual du eventually, c'est yet. C'est désormais. Et là, désormais phi, ça veut dire la formule phi est vraie maintenant et dans tous les instants du futur. Donc si vous regardez votre ligne du temps, si vous êtes ici et que vous dites eventually phi, ça veut dire il existe quelque part dans le futur un moment où la formule phi sera vraie. Peut-être que là, elle n'est pas vraie, là, elle n'est pas vraie, là, elle n'est pas vraie. En tout cas, il y a un moment où elle sera vraie. Et si vous dites yet psi, ça veut dire que la formule psi est vraie à partir de maintenant. Donc elle est vraie là, elle est vraie là, et elle est vraie ici, etc. etc. Donc voilà, ces deux modalités qui nous permettent, le carré et le losange, qui nous permettent de dire des choses ici. Donc là, je l'utilise non pas dans un cadre formel, mais uniquement pour aller plus vite. Une propriété de vivacité, c'est dire si à un moment, le CI1 est vrai, c'est-à-dire si CI1 s'allume, c'est-à-dire s'il y a un train sur ce morceau de voie-là, il faut qu'à un moment ce capteur-là s'allume. C'est-à-dire il faut que le train passe. Il peut pas être, on veut pas qu'il soit bloqué indéfiniment. Donc on dit si à un moment le train est détecté à cet endroit-là, il faut que dans le futur le train soit détecté à cet endroit-là, à cet endroit-là. Et donc il est passé le segment S. D'accord? Donc deux types de propriétés qu'on retrouvera cette année et l'année prochaine. Safety. Quelque chose de mal n'arrive pas. Donc on n'arrive pas dans un état dangereux. Liveness, quelque chose de bien finit par arriver. Si jamais on passe par là, alors à un moment, on devra passer par là. Alors, voilà mon schéma, voilà mes deux propriétés. Et après, ce que j'avais demandé, c'était d'écrire l'ensemble des états possibles du système. Alors ça, c'est bien, parce que ça va nous permettre de rationaliser ce problème. On veut écrire ce contrôleur-là. On a envie de l'écrire, ce contrôleur. Et on veut. Mais ce contrôleur, comment on va l'écrire? C'est ça, la question qu'on veut se poser, c'est. Ce contrôleur, on peut le voir comme un automate qui lit des signaux extérieurs, qui peuvent arriver que un à la fois. Si on pense à la sémantique d'entrelacement, il n'y a qu'une seule chose qui peut changer en même temps. Il va lire des signaux extérieurs et il va activer. Et activer d'autres stimuli qui sont ce qu'il peut faire sur l'extérieur. Et puis tout le reste, il ne le voit pas. Que le train soit ici ou ici, ce contrôleur, il ne le voit pas. Il voit juste les informations bleues et les informations rouges, vu que c'est lui qui a la main sur les informations rouges. Et donc la question, c'est comment on peut le programmer, ce contrôleur? Et on va le programmer de manière, comment on dit, automatique, avec une méthode. De manière mathématique, et cette méthode, ça va être de lister la totalité des états du système. Et alors là, la première question, ça va être, quels sont les différents états possibles de ce système-là? On réfléchit, et puis une première remarque, on pourrait dire, ah bah le train peut être là, le train peut être là, le train peut être là, et on pourrait parler des différents endroits où le train pourrait se trouver. Sauf que ça n'a aucun intérêt direct pour le contrôleur, vu que le contrôleur n'est pas capable de voir le train.
Donc finalement, pour le contrôleur, le monde, c'est uniquement les capteurs et les feux. Donc on peut regarder chaque capteur. Chaque capteur CO1, il a deux états, allumé ou éteint. CO2, il a deux états allumés ou éteints. CI1, deux états allumés ou éteints. Et CI2, allumé ou éteint. Et puis, le feu F1, il peut être vert ou rouge. Et le feu F2, il peut être vert ou rouge. Finalement, vous voyez que notre système, il est défini par 6 variables. Là, c'est la magie de la modélisation. On a écrasé ce système sur 6 variables qui sont chacune des variables à deux états. Donc, du coup, d'habitude, dans la vraie vie, les systèmes, on les écrase sur des variables numériques. Et donc, il y a un ensemble infini d'états possibles parce qu'on a beaucoup d'états différents en fonction des différentes variables. Ici, notre espace d'état, il est fini parce qu'on n'a que 6 variables et que ces variables, elles peuvent prendre que deux valeurs possibles. Donc, on a 2 puissance 6 égale 64 états possibles. Alors après, on ne va pas forcément avoir besoin de ces 64 états, parce qu'il y en a certains qu'on ne veut pas. Par exemple, l'état rouge-rouge, vrai, 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 par exemple, on n'a pas envie qu'il existe. Et donc, au final, on va se restreindre sur moins d'états. Mais ce qui est important, ce que vous devez retenir ici dans la démarche, c'est le fait de prendre quelque chose, de le rationaliser aux variables observables, et ensuite décrire l'ensemble des états possibles à partir des états des variables observables. Donc un discours de la méthode, si vous voulez, qui vous permet de travailler sur des systèmes de concurrence, vous allez voir, on va faire de l'entrelacement, et de les rationaliser. Cette démarche, elle sera utile dans le TD5, où le but du TD5, on va refaire le train dans le TD5, c'est justement de raconter comment on peut modéliser des systèmes concurrents, pour les analyser avec des machines. Et l'étape que doit faire l'être humain, c'est de rationaliser son système et de le transformer en un ensemble de variables. Alors maintenant, peut faire la question difficile et de dessiner l'automate du contrôle du système. Alors, regardez comment on va faire. On va écrire qu'un état du système, ça va être un vecteur couleur du feu 1, couleur du feu 2, valeur de vérité de CI1, valeur de vérité de CO1, valeur de vérité de CI2, valeur de vérité de CO2. Et là, on se dit, quel est l'état initial du système? Quand on arrive dans notre système, quel est l'état initial? Alors, un état initial pertinent, c'est d'avoir mis deux feux à rouge, et initialement, il n'y a pas de train. Donc, tous les capteurs sont sur faux. Et on a l'état initial, rouge, rouge, faux, 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 faux. À ce moment-là, on réfléchit à ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer à partir de cet état initial? Eh bien, on n'a aucune raison, en tant que contrôleur, de modifier la couleur des feux. Donc, ce qui peut se passer, c'est une réaction à un stimulus externe. Et le stimulus externe, c'est l'arrivée d'un train. Et là, vous comprenez ce qui se passe. Soit le train arrive de l'est, et à ce moment-là, c'est CI1 qui s'allume. Soit il arrive de l'ouest, et à ce moment-là, c'est CI2 qui s'allume. Si il arrive de l'est, donc c'est-à-dire si CI1 s'allume. Maintenant, on est devenu le contrôleur. Le contrôleur, il peut changer la couleur des feux et voir quand est-ce qu'un capteur s'allume. Si jamais le capteur CI1 s'allume, alors dans quel état on arrive? On arrive dans l'état rouge, rouge, faux. Non, que je raconte. Vrai, faux, faux, faux. Et si le capteur CI2 s'allume, on arrive dans l'état rouge, rouge, faux, faux, vrai, faux. Évidemment, les deux ne peuvent pas arriver en même temps parce que c'est là où on utilise ce qu'on a vu en concurrence de la sémantique de l'entrelacement, où on considère que les événements sont atomiques. Donc c'est soit l'un qui se passe, soit l'autre qui se passe, mais par contre, les deux peuvent se passer juste l'un les uns après les autres. Et vous voyez ce qui se passe si je suis dans cet état et qu'il y a un autre train qui arrive. Alors j'arrive dans l'état rouge, rouge, faux, vrai, faux, vrai.
Et ici, j'arrive aussi dans cet état si jamais il y a un train qui arrive sur la première voie. Si jamais je suis dans cet état, que mes deux feux sont rouges, un train arrive sur la voie 1 et je ne vois pas de train ailleurs, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux ouvrir le feu pour le train de la voie 1. Et donc je passe à vert rouge, vrai, faux, faux, faux. À ce moment-là, donc là je l'ai fait en ouvrant le feu 1, en changeant la couleur du feu 1. Qu'est-ce qui peut se passer depuis cet endroit? Il peut se passer deux choses, d'accord? Soit il y a un train qui arrive sur la voie 2, hein, un train peut arriver sur la voie 2 à tout moment. À ce moment-là, je suis à vert, VR, vrai, faux, vrai, faux. Soit il n'y a pas de train qui arrive sur la voie 2, et donc le train qui était sur la voie 1, il va disparaître. Il va disparaître de la voie 1, il va passer sur le segment. Et donc j'arrive en VR, faux, 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 faux. Ça, c'est le cas où le CI1 s'éteint. Si le CI1 s'éteint, il peut se passer deux choses. Soit le train passe tout le segment et sort du segment. Si le train passe tout le segment et sort du segment, c'est que j'arrive en vrai, vert, rouge, faux, vrai, il est sorti, faux, faux. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe le feu au rouge et j'arrive en rouge, rouge, vrai, faux, faux, faux. Et à ce moment-là, j'attends juste que ce train qui est sur la voie-là s'en aille et je reviens dans l'état initial, au moment où CO2, alors là c'est CO2 qui s'est allumé, là c'est moi qui ai changé le feu 1, et là j'ai CO2 qui s'est éteint et je reviens à l'état initial. Évidemment, vous avez du côté là le dual. Si vous allez, s'il n'y a pas d'autre train, vous allumez le feu vert, le deuxième feu, vous avez rouge, vert, faux, faux, vrai, faux. Ensuite, vous allez attendre que le train passe dans le segment et donc que CI2 s'éteigne. Vous arrivez en rouge, vert, faux, 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 faux. De rouge vert faux 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 faux, vous pouvez maintenant avoir le train qui passe dans la voie de sortie. Vous serez à rouge vert faux 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 vrai. À ce moment-là, vous allez éteindre le feu 2. Vous allez passer à rouge rouge faux 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 vrai. Et à ce moment-là, vous avez juste à attendre que le train quitte la voie de sortie pour revenir dans l'état initial. Alors maintenant, il faut écrire toutes les autres choses possibles. Par exemple, ici, on peut avoir le train qui arrive sur la voie 1 et tomber en rouge, vert, vrai, faux, vrai, faux. À ce moment-là, on n'a pas le choix, on ne va pas mettre le feu qui est rouge au vert. On doit attendre que le train rentre, le train 2 rentre dans la voie. Donc on a rouge, vert, vrai, faux. Faux, faux. On doit ensuite attendre, une fois qu'on a cette chose-là, on doit fermer. Attendez, là je suis où? Je suis là. On doit attendre qu'il arrive dans la voie de sortie. Donc ça va nous faire CO2 rouge, vert, faux, 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 faux. Et à ce moment-là, on va passer. Ah non, pardon, il y a un vrai quelque part. Vrai. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, ah oui, il arrive dans la voie. Faux, faux, vrai. Le train 2 arrive dans la branche de sortie. Et à ce moment-là, on va passer à un état qui va être. On va lui mettre son rouge, rouge, vrai, faux. Faux, vrai. Donc on a mis les deux feux au rouge. Et maintenant on doit attendre que le train 2 aille dans la sortie. Quand le train 2 aura été dans la sortie,
on va retomber sur... Il y a juste le train 1 qui attend et on sera là. Ça, c'est quand le train 2 va à la sortie. Alors, quelque chose de similaire ici. S'il y a le train... S'il y a un train qui arrive... Alors attendez, là je suis à vert, rouge, vrai, 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 vrai. Et ici je suis à rouge, rouge. Et là j'ai deux, là j'ai un choix. Je peux soit allumer le feu 1 pour donner la priorité au train 1, soit allumer le feu 2 pour arriver au train 2. Cet état-là, c'est l'état rigolo où on a les deux feux qui sont rouges et on a deux trains qui attendent sur chacune des voies. Et alors après j'ai un truc symétrique du côté là. J'ai un CI2 qui va s'éteindre au bout d'un moment. Je vais arriver en vert rouge. Faux, faux, vrai, faux. Puis j'ai un CO2 qui va s'allumer. Et je vais arriver en vert rouge. Faux, vrai, vrai, faux. Puis je vais éteindre le feu 1. Et donc je vais arriver en rouge rouge. Vrai, faux, faux, vrai, vrai. Et ensuite, je vais attendre qu'il y ait un train, que le train 1 s'en aille. Et quand le train 1 s'en va, je tombe en rouge, rouge, faux, faux, vrai, faux. Et ça, c'est un CI2. Et voilà mon automate de contrôle. D'accord? Donc, vous avez vu, ce qui compte, évidemment, c'est pas le détail et ces histoires de train. Ce qui compte, c'est que vous reteniez le principe qu'on a utilisé pour créer un modèle de notre contrôleur. On a pris l'ensemble des variables et à partir de cet ensemble de variables, on a créé un ensemble d'états. Et je vous ai dit, là c'est super facile parce que l'ensemble d'états... Alors c'est super facile pour deux raisons. Un, parce que l'ensemble d'états est fini. Vu qu'on a des variables booléennes, elles sont finies, mais dès qu'il y a une variable entière, bah après, votre ensemble d'états, il faut le représenter avec des patates, parce que vous ne pouvez pas représenter tous les états. Donc il faut faire des grosses patates pour dire ça, c'est les états tels que x est supérieur à 2, y, etc. Vous en ferez plein en tasse dans la deuxième partie qu'on ferait de l'interprétation abstraite l'année prochaine, et puis vous verrez des techniques pour réduire les patates, découper les patates correctement, etc. Donc notre espace d'état ici, il est facile à représenter, et en rationalisant l'espace d'état, on a décrit ce qui pouvait se passer en atomisant les modifications de variables et en entrelaçant toutes les possibilités avec ces modifications de variables. Et donc quand il y a des f, c'est là où on agit, et tout le reste du temps, c'est là où on subit. Et bien sûr, il ne peut pas y avoir deux trains de suite qui arrivent sur la voie 1, en tout cas on n'a pas prévu ça. Ce cas de figure, et donc parfois ici, les seules choses qui peuvent se passer, c'est au bout d'un moment, le train 2 avance, et enfin le train 1 avance, ça devrait être un 1 qui est mal fait, et un 1 qui est mal fait. Ça c'est un 1 aussi qui est mal fait aussi. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je voulais vous montrer en faisant ça. Et voilà, c'est pas mal d'avoir ce truc-là. Alors combien on a eu besoin de combien d'états on a besoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une vingtaine d'états sur les 64 possibles. Vous avez vu qu'il y a plein d'états qui. Il y a plein de suites de variables qui ne correspondent pas à un état de notre système. Mais on est plutôt content de ce qu'on a fait. Alors. Est-ce que les propriétés énoncées plus haut sont vérifiées? Alors vous avez vu en plus qu'on a quelque chose de non déterministe, parce que quand on est à rouge, rouge, vrai, faux, vrai, faux, on peut soit faire F1, soit faire F2. Ah oui, je vous ai dit, il y a deux choses pour lesquelles c'était facile d'écrire cet automate. La première, c'est qu'il a un ensemble d'états finis. La deuxième, c'est que les décisions sont locales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Elles n'ont pas besoin de l'historique. En gros, on pourrait imaginer un système dans lequel il y aurait deux cases qui seraient marquées rouge, rouge, faux, 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 faux. Par exemple, si jamais
je suis passé par rouge rouge faux 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 ici, et qu'à la fin je reviens sur rouge rouge faux 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 faux, et bien plutôt que de revenir au début, je pourrais faire une flèche sur un nouvel état, rouge rouge faux 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 faux. Ce serait un état qui aurait exactement les mêmes variables que celui-là, mais moralement c'est pas le même parce que je sais que je suis passé par là pour arriver dans cet état. En gros, ce serait une chose plutôt utile parce que ça nous permettrait de dire qu'on vient de faire passer le train 1. Et donc que la prochaine fois qu'un train, que si jamais la prochaine fois deux trains arrivent, ce sera au train 2 de passer en premier. D'accord? Donc on a à chaque état de mon espace d'état un vecteur de variables différent. Donc ça veut dire que les décisions ne sont pas basées sur l'historique de ce qui s'est passé avant, mais sont basées uniquement sur cette variable d'état. Si vous continuez votre voie dans le logiciel sûr et l'interprétation abstraite et l'analyse des espaces d'état, et alors ne riez pas, il y a au moins une personne par an à la fin du M2 STL qui s'oriente dans cette voie. Généralement, c'est plutôt dans des entreprises innovantes que dans la recherche, mais les deux sont possibles. Si vous vous orientez dans cette voie, évidemment, vous aurez à faire des choses plus compliquées où on prend en compte l'historique de ce qui a déjà été fait pour choisir dans les états suivants. Alors, les propriétés sont-elles vraies? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit comme propriété? On avait dit. On avait dit F1 et F2 ne sont pas verts en même temps. Alors là, on peut vérifier que dans notre automate, il n'y a aucun état tel que qui commence par VV. Donc cette la propriété là, la propriété de Széchenyi numéro 1, elle est vérifiée. On n'a pas d'états qui sont à la fois qui sont tels que les deux feux sont verts en même temps. On avait dit si F1 est vert, F2 est rouge. Donc ça, pareil, c'est une conséquence de la propriété. De la propriété précédente, vous voyez que tous les états qui commencent par V sont suivis par un R. S'il y en a un qui est vert, l'autre est rouge. Bon, là, c'était juste la moitié de ce qu'on vient de faire. Si un train est dans S, alors F1 n'est pas vert. Alors ça, on avait dit, c'était pas possible de le dire. Et on peut juste essayer de le déduire. Quand est-ce qu'un train est dans S? Alors c'est compliqué. Un train est dans S quand ici, là, il y a un train dans S. Et quand est-ce qu'il sort? Il sort quand. Alors, là il y a un train dans S, et là il est sorti. Là il y a un train dans S aussi. Et. Non, pardon. Là il y a un train dans S, et là il est sorti. Et là, ça doit être la même chose. Donc un train, il est dans S entre le moment où il a éteint son capteur d'entrée et qu'il a allumé son capteur de sortie. Hein, si on se souvient du schéma, une fois, donc le train arrive, ça s'allume. Quand ça s'éteint, c'est qu'il est passé dans S. Et quand ça se rallume, c'est qu'il est sorti de S. Donc c'est quand les deux sont éteints qu'on est dans un. Donc ça doit être les quatre états là où il y a un train dans S. Mais vous avez vu que je suis en train de le déduire. C'est pas quelque chose qui s'exprime directement avec les variables. C'est quelque chose que j'ai déduit. J'ai déduit des variables d'où l'endroit où était le train. Et on avait dit si jamais un train est dans S, alors F1 n'est pas vert. Si jamais un train est dans S, alors F1 n'est pas vert. Et on l'a pas respecté cette propriété-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis le feu au rouge au moment où le train rentrait. Et en vrai, on comprend un petit peu. Alors si. Si jamais on raffinait la propriété que vous avez proposée en disant si un train venant de l'est est dans S, alors F2 n'est pas vert, et si un train venant de l'ouest est dans S, alors F1 n'est pas vert. Et là, ce serait vrai, et on pourrait l'expliquer, parce que là, on sait que quand on est dans ce vert du côté-là, c'est qu'un train venant de l'est est dans S. Quand on est de vert de ce côté-là, c'est un train venant de l'ouest est dans S, et puis votre propriété serait vraie à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas évident de trouver les bonnes propriétés et de savoir comment les prouver. Alors, si c'est I1 s'allume, alors F1 devient au bout d'un moment vert. Est-ce que c'est vrai? Si CI1 s'allume, donc c'est quand on a CI1 ici par exemple, est-ce qu'au bout d'un moment le feu devient vert? Et là, c'est très important de voir que non, pas forcément. Imaginez, on est à cet endroit. Donc CI1 vient de s'allumer. Est-ce que c'est vrai que le deuxième feu devient vert à un moment? Bah non. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ça, ça, ça. Ça, ça et ça. Donc il existe une séquence infinie
de mon système, je boucle à chaque fois comme ça, tel que CI1 s'est allumé au début, mais ensuite le deuxième feu n'est jamais à vert. Donc la propriété est violée. Il existe une manière de faire une boucle dans mon système tel que hey, le deuxième feu n'est jamais vert, alors que le capteur du deuxième train s'est allumé. En fait, c'est celui-là le capteur du deuxième train. Ça revient au même de partir d'ici ou d'ici. D'accord? Le capteur du deuxième train s'est allumé, mais je fais cette boucle-là en permanence et le deuxième train ne pourra jamais passer. Donc, cette propriété de safety est pas vraie. Comment on pourrait faire pour faire qu'elle soit vraie dans notre système? Eh bien, il faudrait utiliser une troisième variable de tour, par exemple, qui dirait à qui c'est le tour de jouer. Elle commencerait par, on commencerait par un état comme ça. Et si on fait passer le train 1 et qu'il n'y a plus de train, eh ben, l'état deviendrait faux faux 2. Donc la variable tour, elle vaut soit 1, soit 2. Elle dit à qui c'est le tour. Et au moment où on fait le choix ici, eh ben, il n'y aurait pas deux choix, il n'y aurait qu'un seul choix qui dépendrait de cette variable. Si la variable est à 1, on passe là. Si la variable est à 2, on passe de l'autre côté. Et là, on fabrique un système qui est équitable parce que ce sera plus possible de faire un tour. En gros, il n'y aura plus de boucle comme ça dans le système. Et on pourrait vérifier sur un système étendu. On pourra peut-être le tracer directement avec spin au TD5, qu'en rajoutant une variable tour, on peut faire en sorte de ne plus avoir ce problème. En déduire du pseudocode pour l'automate de contrôle, non merci. De toute façon, on va le faire, on promet là, au TD5. Mais l'idée, c'est est-ce que vous sauriez écrire en C un automate avec 6 variables qui est 20 états, qui dit comment passer d'un état à un autre en fonction des threads? La réponse est oui, vous pourriez, mais oui, ça vous prendrait beaucoup de temps parce que ce serait fastidieux. Et c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Bon, ce que je voulais que vous reteniez de cet exercice, c'est comment on modélise un système. Comment on prend un système qui est décrit dans un cahier des charges, comment on le réduit à un nombre de variables, et comment on peut écrire un contrôleur où chaque transition, c'est une action atomique. D'accord? Parce qu'évidemment, le capteur CI1, le capteur CI2 et les feux, ils vivent tous en parallèle. Donc, leurs actions se font en même temps, mais on a dit que dans notre modèle, le en même temps n'existait pas. Ce qui existait, c'était l'entrelacement. Et donc on entrelace les actions atomiques et on regarde quels sont les états qui sont produits. Bon, voilà, et ce sera tout pour l'exercice 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai la gorge sèche, je vais chercher un verre d'eau. Alors, deuxième exercice, un exercice de comptage au musée, où l'idée c'est d'écrire un genre d'environnement de thread dans lesquels on a des threads qui font des entrées-sorties dans un musée qui est en fait la ressource partagée. Et le tout sans évidemment se manger sur les pieds en termes de mutex. Alors, est-ce que j'ai une solution directement ou est-ce que je dois l'inventer? Il me semblait que j'en avais une. Tentative, first thread, TD3, impression, compteur, ordonnanceur. Ouais, si j'en ai une. Elle est pas très jolie, mais on pourra la commenter après.
Est-ce que j'en ai. Est-ce que j'ai un point ML plus joli que ça? Non. Bon, alors allons-y. On veut faire un système de comptage au musée, et donc on veut un compteur partagé qui compte le nombre de visiteurs actuellement en train de visiter le musée. Donc ça, si vous avez compris, c'est la ressource partagée. Et j'ai mon compteur qui est là. Et donc qui a une valeur ici. On veut deux processus en entrée qui représentent les deux entrées du musée et qui font rentrer les visiteurs un par un. Donc on a un processus ici qui commence avec un nombre initial, 38 personnes qui vont rentrer par là aujourd'hui. Un processus ici qui correspond avec un nombre initial, 117 personnes qui vont entrer ici. C'est les processus E1 et E2. Et on nous dit, ils vont faire rentrer les visiteurs un par un. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont incrémenter le compteur. Et évidemment, il faut faire attention à ce qu'ils le fassent de manière à pas créer de course et donc à pas se marcher sur les pieds. Et il y a deux processus sortis, et ici il y a aussi deux sorties du musée, et qui vont faire sortir les visiteurs un par un. Il me semblait que je l'avais réécrit l'année dernière, celui-là. Pour avoir quelque chose de plus propre, bon, c'est dommage. Et voilà, et on a un processus principal qui lance les quatre processus, attend que ça arrive à zéro et s'arrête. Donc voilà, donc écrivons les implémentations, comment on pourrait l'écrire, et ce que je voulais vous faire, c'était des threads POSIX en mauvais camel. Pouf, pouf, pouf. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est un compteur global qui est une référence. Et ensuite, je vais faire les threads d'entrée. Les threads d'entrée, donc je définis la routine du thread d'entrée. Elle va être de. Elle va être de dire. Je prends un nombre de visiteurs à faire rentrer dans mon musée, et ensuite je regarde est-ce que ce nombre de visiteurs est plus grand que 0 ou pas. S'il est plus grand que 0, je fais un truc. Sinon, je vais me faire print headline. Enfin. Alors que je raconte, je suis en camel. Donc déjà, je vais faire les choses correctement. Et ensuite, il faut que je dise si jamais le nombre d'entrées est plus grand que 0, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends dans compteur, je mets compteur plus 1. Et dans. Ensuite, je peux écrire sur la ressortie standard le nombre de personnes qu'il faut que je fasse rentrer. Alors, Edwin, oui, non mais voilà, vous anticipez sur la question 2, qui est de dire identifier les problèmes engendrés. Et effectivement, un des problèmes, et vous l'avez très bien deviné, c'est que un musée peut être vide entre midi et 2, parce que tous les gens qui sont rentrés le matin sont sortis, mais il peut y avoir encore des gens qui voudront rentrer après. Donc vous avez parfaitement identifié cette partie-là du problème. Merci. En plus, pour moi, c'est bien parce que je vois qu'il y a au moins une personne qui suit ce que je suis en train de faire. Donc là, un random thread delay, il va dormir. Alors, ça, c'est toujours pareil pour forcer un petit peu les problèmes de course. On rajoute des. Du delay ou du sleep sur les threads.
pour que effectivement il y ait ce problème de il puisse se passer quelque chose entre ou pas. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il décrémente, il incrémente le compteur du musée et il se rappelle lui-même sur un NB-1. Donc on le lance avec NB37 et puis il va se rappeler à chaque fois sur un NB plus petit à chaque fois, et puis il va boucler ici en faisant si jamais le compteur j'incrémente le compteur j'écris le nombre de gens et en entrée et je continue. Et puis ensuite je vais prendre un thread sorti qui boucle. Alors là, je recopie du code avec un while true doux, c'est pas très beau. Est-ce que je peux pas faire mieux? C'est trop moche ce while true. Alors, if compteur, alors le thread sorti il dit if compteur égale égale 0, donc si la valeur qui est contenue dans le compteur vaut 0, je fais rien. Ah si, il fait un dernier truc quand c'est la sortie, il dit. Ah non! Attendez, il est plus malin que ça. Ah non, d'accord. Donc du coup, il va pas y avoir votre problème. Alors c'est pas exactement la. Bon, je pourrais faire les deux. Allez, je fais les deux. Donc si jamais le compteur vaut 0, il s'arrête. Non, c'est sorti 1. Et si jamais le compteur est pas 0, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire. Il va dire que il va décrémenter compteur. Et là, il me faut un bang pour bien dire que c'est la valeur de compteur. Il va dire la nouvelle valeur de compteur, c'est l'ancienne valeur de compteur moins 1. Il va faire print int la valeur de compteur pour dire là, du coup, il me faut un begin end autour de ça. Je mets compteur, j'écris une ligne où il dit sortie. Et ensuite, c'est tout. Donc, voilà, donc, il décrémente le compteur. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il faut que je me rappelle. Il faut que je fasse un thread delay. Random float 04. Et ensuite. Il faut que je me rappelle moi-même. Et du coup, c'est un rec. Alors voilà le truc un peu nul dont Edwin critiquait la pertinence, où si jamais le compteur est vide, on s'arrête, et si le compteur est pas vide, on le décrémente. D'accord? Alors moi, je vous mets la deuxième sortie, une sortie qui résolverait déjà ce problème, et donc qui respecte pas le cahier des charges qui est donné ici. Mais du coup, qui respecte le bon sens, qui serait de dire if compteur égal égal 0, enfin, en fait, qui serait de faire ça. Voilà, donc lui. C'est le même code que tu, sauf que il se relance dans tous les cas. Si jamais il faut que je mette un point virgule là, ça. Parce que ça c'est de type unit, ça c'est type unit, tout ça c'est type unit. Et donc si je fais un point virgule ici
Et bien, j'ai bien le truc de type unit qui est à gauche du point-virgule, donc c'est bon. Donc là, lui, il regarde si le compteur est nul. Si oui, il s'arrête. Sinon, il se relance. Après avoir décrémenté le compteur. Lui, il regarde si le compteur est nul. Si le compteur est nul, il fait rien. Mais il se relance quand même. Et lui, si jamais le compteur est non vide, bah, il décrémente le compteur et il envoie le résultat sur la sortie standard. Alors juste pour finir, comment on fait un main avec des threads POSIX en camel? On peut mettre let. Alors si, non mais si, parce que ça fait un exemple de récupérer la arg string, alors on va laisser ça. Le nombre de visiteurs, on va le donner en paramètre en paramètre de la commande. Et ce paramètre, ça va être un string. Et on va faire un int of string du premier argument de l'appel. Et ensuite, on va créer deux threads pour faire les entrées. Easy thread create. Ah non, lui, il crée qu'un seul thread, c'est ça? Oh non, bah on va en créer deux, nous. Let ts1 égale in. Let ts2 égale thread.createSortie in. Let te1 égale thread.createEntrée. Donc là j'ai deux threads d'entrée, deux threads de sortie. Et dans le programme principal, je vais attendre la fin des entrées. Thread.join te1. Donc join ça attend la terminaison d'un thread dont on donne la poignée. Je join sur T1, je join sur T2. Et ensuite ce que je peux faire c'est regarder et attendre que tout le monde soit sorti. Et donc faire un. Tant que compteur est plus grand que 0. Oh non, mais c'est horrible. Bon, je l'écris quand même. Tant que compteur est plus grand que 0, je fais rien. Et ensuite, je fais thread.kill de T1 TS1. Thread.kill de TS2. Alors ici on va mettre des sorties 2 quand même. Thread.kill de TS2. Donc vas-y, on n'a pas besoin d'open un module pour les threads. Si on a besoin. Comment il s'appelle? Il s'appelle. Ah non, attendez, est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on le met au compilo? Je sais plus, mais c'est possible. Est-ce que j'ai le code source? Non, normalement. Pour compiler, on fait OCaml-c moins vmthread et il faut mettre unique CMA pour avoir les threads POSIX, threads.cma et ensuite votre fichier ML. Donc il faut rajouter les threads.cma, les unix.cma et il faut utiliser le moins vmthread pour avoir la machine virtuelle des threads. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous cherchez les références, si vous ne cherchez pas les références, vous demandez sur Discord et puis vous donnerez une ligne de commande pour le compilo, pour le makefile si vous faites un makefile. Kill T1, kill TS2 et print string fin exit 0 à la fin du main. Alors, et puis évidemment, let underscore égale. Alors, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, on peut critiquer cette chose. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que vous montriez que vous êtes là et que vous me disiez qu'est-ce qu'on peut critiquer là-dedans et en donnant, dans ce code qu'on vient d'écrire ensemble, des critiques. Alors, pas vraiment des critiques de style, d'accord? Évidemment, faire des while en camel, c'est particulier. Mais plutôt des critiques de fond, en sens où qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est indésirable. Et qu'est-ce qu'on a raté? Je pense que si on oublie sortie 1 et qu'on se concentre juste sur sortie 2, on peut identifier trois grands problèmes pour notre
pour notre code. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont ces trois grands problèmes de notre code? C'est facile, hein, c'est des... il y en a deux, c'est des écueils de la concurrence classique. Et un qui est quelque chose dans la lignée de ce que Edwin a dit tout à l'heure. Alors vous voyez pas. Bon. Est-ce que vous comprenez au moins ce code camel? Est-ce que ça va? L'histoire de la fonction entrée qui s'appelle récursivement en incrémentant ce compteur partagé, la fonction sortie qui s'appelle récursivement en regardant si le compteur est plus grand que 0 et en le décrémentant s'il est plus grand que 0, et la fonction main qui lance deux entrées et deux sorties. Est-ce que ça va? Oui, ça va pour les fonctions. Très bien, merci. C'est important pour moi d'avoir un petit peu de feedback quand même. Maintenant, vous voyez pas les problèmes. Bon. Alors, on peut regarder la notion de compteur. On voit qu'on a 4 threads qui manipulent le compteur. Alors, le compteur, c'est une case mémoire. Et on a ici un thread qui va lire la case mémoire et la modifier. Un thread, il y en a deux qui sont comme ça, et deux qui vont lire la case mémoire et la modifier. Voilà, donc on a deux qui, on a trois, enfin on a 4 threads qui écrivent en même temps, les deux entrées et les deux sorties, sans protection. Donc le premier problème, ça va être un problème de course. Et le problème de course, ça va être de dire que les 4 threads lisent et écrivent en même temps la variable compteur. Donc évidemment, quand on lance le programme, on va voir que il y a deux threads qui vont lire la même valeur et qui vont ensuite écrire la même valeur, par exemple, et puis on va se tromper et passer à des choses plus ou moins qui ont plus de sens, parce que il va se passer en même temps des écritures et des lectures. Alors, solution. Qu'est-ce qu'on utilise comme solution? La solution au problème de course, c'est d'utiliser des verrous. Voilà, très bien. Et donc, on va rajouter un mutex pour protéger compteur. Donc, on va écrire une section critique explicite. Dans la section critique, les manipulations de compteur auront lieu en section critique. En section critique, et donc au moins au plus un thread pourra accéder en même temps à compteur, et donc la lecture et l'écriture seront à l'intérieur d'une section critique, et l'écriture sur la sortie standard aussi, et donc ça c'est bien. Quel est le deuxième problème qui est un problème que vous savez reconnaître et qui se trouve à deux endroits, ici et là? Le deuxième problème, c'est un problème d'attente active, de busy waiting. Parce que vous voyez ce qui se passe pour ce compteur-là. Ce compteur de sortie, enfin les deux compteurs de sortie en fait, ils font sortir des gens que quand il y a des gens dans le musée. S'il n'y a personne dans le musée, ils peuvent pas faire sortir de gens. Donc qu'est-ce qu'ils font s'il n'y a personne dans le musée? Ils regardent, est-ce que le compteur vaut 0? Si oui, ils font unit et ils se relancent. Ce processus, à un moment, il va être élu par l'ordonnanceur. L'ordonnanceur va lui dire, vas-y, fais ta bricole. Lui, il va dire, est-ce que compteur vaut 0? Non. Est-ce que compteur vaut 0? Non. Est-ce que compteur vaut 0? Non. Est-ce que compteur vaut 0? Il va tourner, tout le temps que l'ordonnanceur va lui donner. Ensuite, l'ordonnanceur va donner la priorité à d'autres processus. Il va revenir à celui-là. Si le compteur est toujours à 0, bah, il va reboucler pour rien du tout, sans rien faire de productif. Donc, c'est une attente active. Et donc c'est pas bien du tout. Alors est-ce qu'on peut le voir comme un live log? Pas forcément. Le live log, ce serait qu'on puisse pas s'échapper du live log et on fabrique des cycles non productifs qui font que les deux essayent de faire quelque chose et ils ne peuvent jamais y arriver. Là c'est plus une attente active.
Non, parce que on produit quelque chose. Si on fait tout le temps plus, plus et moins, moins, on fait quelque chose parce que on avance dans le système. Déjà, il y a terminaison, parce que les threads en entrée, ils se rappellent sur un nombre plus petit. Donc on ne met pas une infinité de personnes dans le système. Et on avance quand même. Et ensuite, on fait des effets de bord qui vont changer. Et donc ce flux de personnes, ce plus, plus et moins, moins, il faut le voir vraiment comme une sorte de progression. Du système vers une complétion à la fin. Donc le problème qu'on a, c'est un problème de busy waiting. Ici, on attend en permanence que le compteur va à zéro, et alors il vaut pas zéro. Et donc on fait des cycles pour rien. Et pareil ici, on a quelque chose où on attend que le compteur va à zéro aussi pour tuer les deux threads, et on attend sans rien faire, et donc ça fait rien aussi. Donc c'est un problème d'attente active. Les threads sortent. Et boucle peuvent boucler sans rien produire si le compteur est vide. Et la solution aux attentes actives, c'est d'utiliser des conditions, c'est-à-dire des primitives d'attente et de réveil. Hein. Wait et signal. Le troisième problème, c'est lié à ce que disait Edwin tout à l'heure, et c'est lié à ce qu'on vous demande dans le corps du TD, c'est que ici, le compteur de sortie peut être vide alors qu'il reste, il peut encore y avoir des gens qui rentrent. Hein. Ce qui peut se passer, c'est que on peut avoir ici une personne qui rentre. Donc ce truc-là va passer à 37. Le compteur va passer à 1. Puis ensuite, on a une personne qui rentre ici. Donc lui passe à 16 et le compteur passe à 2. Puis ensuite, on a une personne qui sort là. Donc le compteur passe à 1. Et enfin, une personne qui sort là. Et le compteur passe à 0. À ce moment-là, le compteur à 0. Donc le thread principal va tuer tout le monde. Enfin, va tuer les threads de sortie, par exemple. Enfin. Ah, attendez, ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah non, parce qu'on a fait join sur T1 et T2 après. Donc on est sûr que plus personne veut le rentrer. Ah ouais, non. Non, c'est peut-être pas un problème, effectivement. Parce que là, l'exemple que je donnais, il restait des gens pour rentrer. Maintenant, si les deux threads d'entrée sont finis, c'est-à-dire que tout le monde est dans le musée. Donc le moment où le compteur passe à zéro, on est sûr qu'il n'y a plus personne qui rentre. Bon ouais, c'est pas un problème, en fait. Roman 3, en fait. Et mon idée, parce que l'idée, quand même, il faut la garder, parce que ça peut être. On ne fait pas de terminaison préparation. Bon, ça fait que deux problèmes. Maintenant qu'on l'a corrigé, c'est bien. Et maintenant, on peut corriger les implémentations. Alors, est-ce que j'ai aussi un truc ici avec avec une correction? Alors, on va créer un mutex. Et donc, on va mettre le mutex ici, il s'appelle counter lock. Et ça va faire mutex.create. Et ensuite, on va créer une variable qui s'appelle fin entrée. Et ensuite, comment on modifie entrée? Entrée, on va dire, quand on arrive ici, on va prendre le lock. Mutex.lock de counter lock. Et à la fin, on va unlock.
tu n'en as plus besoin, c'est-à-dire à ce moment-là. Mutex.unlock. Attendez, vous n'avez pas très bien compris pourquoi. Dans l'entrelacement, toute exécution est possible. Pour le problème 3. Donc ce que je voulais, ce que je pensais comme problème 3, c'était que on pouvait arriver à un moment où le compteur était vide, mais il restait encore des gens à sortir. C'est-à-dire, dans le code de sortie, vous m'avez dit intelligemment qu'il faut pas, qu'il faut continuer même si le compteur est vide, parce qu'il peut y avoir des gens qui vont continuer à rentrer. Vous voyez qu'ici, dans le main, il y avait un truc pareil qui était de dire si le compteur n'est pas vide, je continue à boucler, c'est seulement quand le compteur est vide que je peux tuer les threads de sortie. Et moi, j'étais en train de vous dire, ah oui, mais attention, on ne peut pas tuer les threads de sortie quand le compteur est vide, parce que quand le compteur est vide, ça peut être le cas que deux personnes sont rentrées et deux personnes sont sorties, mais il y a encore des gens qui sont prêts à rentrer. Et en fait, cette situation-là ne peut pas arriver. Pourquoi ? Parce que ce while compteur supérieur à 0, do machin, done, il arrive après deux joins sur les threads d'entrée. Du coup, comme il y a eu des joins sur les scènes d'entrée, ça veut dire que quand on en est à cette étape-là, quand on rentre dans cette boucle infinie attente active, on est sûr que les threads E1 et E2 ont terminé. S'ils ont terminé, ça veut dire qu'ils ont pris ce else-là, ça veut dire qu'ils ont fait rentrer tout le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui veut rentrer. Donc si jamais on a attendu que les deux threads d'entrée soient finis, ça veut dire que les seuls gens qui restent dans le système, c'est ceux qui sont dans le compteur. Et donc une fois que le compteur est vide, ça veut dire que tout le monde est parti du musée, comme on a fait ça après que plus personne n'ait envie d'entrer, on est sûr qu'il n'y a plus personne dans le système et on peut s'arrêter. Donc il n'y avait pas de problème 3 en fait, parce que le fait d'avoir mis ça après ces deux joins nous garantit que quand le compteur est vide, voilà. Oui, join, ça veut dire qu'on attend la fin des deux. Join, c'est j'attends la fin de l'entrée 1, j'attends la fin de l'entrée 2, et seulement après, je fais ce truc-là. Voilà. Où j'en étais sur mes mutex. J'avais mis un lock ici, un unlock là. Évidemment, il va y avoir un dual dans sortie. Et alors, comment je peux faire pour sortir ? Alors, tant que fin des entrées est vrai ou que compteur est plus grand que 0, je prends le mutex compteur lock et if compteur lock, et si le compteur est plus grand que 0, je commence par dans compteur, je mets compteur moins 1, je décrémente mon compteur. J'écris mon compteur, la valeur de mon compteur sur la sortie standard et je fais ce print line de la dernière fois. Et ensuite je unlock. Attendez, est-ce que c'est vrai qu'il...
Non, mais c'est enfin, c'est pas vrai cette solution. Il reste toujours une attente active, non? Mais ça nous sauve de ce truc-là. Voilà. On va corriger et critiquer. Alors voilà la solution que j'avais, une solution historique, qui est de... dans les entrées, on a un mutex qui entoure le compteur. Dans les sorties, on a un mutex qui entoure le compteur. Les sorties, c'est un while. C'est un while qui s'arrête, qui continue tant que le compteur est plus grand que 0. Et que la fin et que les entrées sont pas finies. Et comment il sait que les entrées sont finies? Là, il faut qu'il dise un truc ici. Mettre fin entrée égale tout. Donc au début les entrées sont pas finies et ensuite quand on aura join sur les deux threads d'entrée on passera une variable à true et ensuite les threads de sortie ils verront que cette variable est true et ils s'arrêteront à ce moment-là. Donc les deux threads de sortie ils continuent à tourner la boucle tant que les entrées n'ont pas fini ou que le compteur est plus grand que 0. Donc si les entrées sont finies et que le compteur vaut 0, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent s'endormir. Et du coup, on n'a plus besoin de faire une attente active ici. Par contre, ça résout pas le problème que j'exprimais tout à l'heure, qui est que ici, si jamais le compteur est à 0, alors lui va tourner. Si jamais le compteur est à 0 et que les entrées sont pas finies, lui va tourner et prendre des cycles pour rien du tout. Donc en fait, il faut rajouter une condition. Alors je sais plus si c'est si facile à faire que ça. Il faut que je fasse. Il faut que je crée ma condition. Et alors j'ai signal, broadcast et await. Mais dans l'API, Camel, j'ai pas le create. Ah, c'est condition.create. Voilà. Donc ici, je vais créer une condition. Égale condition.create et quand je la crée, je lui donne rien du tout. Ça. Et ensuite, ici, il lock le mutex counter lock. Il dit tant que while compteur, hop, je vais faire comme ça. Compteur égal égal 0, do done, et là je vais faire condition. Point wait de la condition comment je l'ai appelée compteur conde et le mutex que je redonne tant qu'elle n'est pas vraie c'est compteur lock et ensuite je mets mon truc. Et ensuite je mets donc là, qu'est-ce que j'ai fait?
Eh bien, j'ai créé une condition. J'ai ici, tant que le compteur est vide, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ma condition en relâchant mon compteur. Je récupérerai mon mutex quand la condition sera vraie. Je continue, je ferai mon petite affaire, c'est-à-dire je décrémenterai mon compteur et ensuite je relâcherai mon mutex à la fin. Et ensuite je relancerai tant que les entrées ne sont pas finies. Mais en tout cas, si le compteur est vide, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais attendre. Alors évidemment, il faut relâcher la condition au bon moment. Et donc, il faut ici, par exemple, écrire if. Ouais. Y a mon téléphone qui sonne. Porte-le-moi. If compteur égal égal 0. Zen. Qu'est-ce qu'on fait si le compteur est vide? Alors, on condition.signal compteur. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui sonne. Excusez-moi, je dois descendre. J'en ai pour 3 minutes. Vous pouvez réfléchir à l'ordonnanceur. On fera le schéma juste après.
Ok, excusez-moi. Donc voilà, donc on a mis cette condition qui nous permet de réveiller le processus sorti qui dort au bon moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien, mais c'est un exemple classique de utilisation de mutex et de conditions pour empêcher les courses et les attentes actives dans un autre langage, même si au final c'est exactement pareil parce que on a utilisé camel de manière un peu impropre et au lieu d'utiliser des fonctions récursives, on a utilisé des while et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'important sur cette chose? C'est que c'est considéré comme mauvais, ça fait partie des axiomes de Go, si vous voulez, quand Rob Pike et les personnes de Google ont inventé Go, ils avaient comme maxime le fait que c'est un peu has-been d'utiliser la mémoire pour communiquer. D'accord? Utiliser la mémoire pour communiquer, ça pose plein de problèmes. Et entre autres, ça pose ces problèmes qu'on vient de voir de course et d'attente active. Et il faut que le langage donne des outils pour manipuler les courses et les attentes actives. Et les outils qu'il va donner, c'est des verrous et des sémaphores, des mutex et des conditions, des schedulers de first thread et leurs événements pour pouvoir endormir et réveiller des processus. Et du coup, c'est embêtant. Et nous, ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, c'est qu'on va préférer au XXIe siècle utiliser des langages qui ont des primitives de communication explicites, qui permettent aux threads de s'envoyer des messages. Et quand j'entends que je dis message, je pense à des données, des informations, des informations. Et donc, on va regarder avec Go les histoires de envoi et réception de messages et se convaincre que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des envois et des réceptions de messages plutôt que des modifications de la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce TD? Un ordonnanceur explicite et après des first threads, combien de temps il me reste? 20 minutes. Très vite. Comment on peut réfléchir à fabriquer un ordonnanceur explicite? Alors, il nous faut deux choses. Un mutex global. Un mutex qu'on avait appelé le glock. Il va falloir avoir une condition de tour. Et un tableau. Un tableau de fini et une variable. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit une condition? Alors la question c'est comment on programme un ordonnanceur à la main et ça vous permet de réfléchir à comment on arrive au first thread. Et donc vous allez avoir un entier ici qui va dire quel thread c'est le tour. Donc là vous allez avoir un thread, deux threads, ça c'est T1, T2, T3, et ici vous avez une variable qui vous dit c'est à 1, 2 ou 3 de jouer. À l'intérieur du code des threads, vous allez avoir un while qui va dire tant que la variable tour est différente de i. Donc quand c'est pas à moi de jouer, je peux pas faire la suite. Et ensuite ici, vous allez avoir pardon, c'est pas tant que. C'est que il faut que vous vous endormiez. Donc il faut prendre le log global et il faut faire tant que tour différent de i, wait sur la condition la conde mon tour. Donc tant que le tour n'est pas tant que la tant que c'est pas mon tour ici, j'attends la condition. Et après, je suis réveillé à la fin quand le tour est modifié.
Et ensuite, ici, quand c'est mon tour, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais toutes les choses qui sont dans mon tour. Et à la fin, je signale tour. Enfin, pardon, je mets tour à tour plus 1, modulo le nombre de threads. Et je signale mon tour pour que les autres puissent se réveiller. Donc à chaque fois que vous signalez mon tour, tous les autres threads se réveillent et ils regardent est-ce que c'est leur tour. Si c'est leur tour, si c'est pas leur tour, ils vont s'endormir sur wait avec le mutex qui va bien. Donc il faut que le mutex ici ça va être unlock glock et ici ça va être lock glock. Donc il y a un global lock. Chaque thread qu'il fait, c'est qu'il prend le global lock et il regarde si c'est son tour. Si c'est pas son tour, alors il attend et il attend que ce soit son tour en s'endormant. Il sera réveillé à chaque fois qu'un thread finira son tour. Il sera réveillé à chaque fois qu'un thread finira son tour. Après, il fait son. Si c'est son tour, il fait sa petite affaire et il passe tour au tour suivant. Etc. Et ça tourne. Évidemment, là, il n'y a pas d'ordonnanceur, il y a un ordonnancement. Si on veut faire un ordonnanceur explicite, ce qu'il faut faire, c'est que à la place ici d'écrire tour égale tour plus 1, on va écrire que fini de i égale 1. Et ça veut dire j'ai fini mon tour. À ce moment-là, on va avoir un autre thread ordonnanceur ici qui va périodiquement regarder est-ce que qui va regarder est-ce que le qui va décider de qui c'est le tour. Par exemple, il va dire tour égale. Alors lui, il a un compteur interne. Compteur, c'est-à-dire tour égale compteur. Ensuite, il va attendre que fini de tour soit vrai. Quand fini de tour est vrai, ce qu'il va faire, c'est que il va modifier la variable tour pour qu'elle soit égale. Non, il peut. Il va modifier sa variable compteur pour que ce soit égal à compteur plus 1. Et après, il va se rappeler. Évidemment, il faut rajouter des mutex et des conditions. L'idée de faire un ordonnanceur à la main, c'est cette idée-là. Vous avez une variable globale partagée qui va dire à qui c'est le tour de jouer. Donc tous les threads doivent regarder cette variable globale pour savoir si c'est leur tour ou pas. Si c'est leur tour, ils font leur affaire. Et de toute façon, même s'ils sont préemptés, eh bien, les autres ne pourront pas progresser parce que les autres sont endormis. Jusqu'à ce que ce soit leur tour. Et une fois qu'ils ont fini leur tour, ils le signalent à l'ordonnanceur. En écrivant que ça va réveiller l'ordonnanceur, hein, il va falloir rajouter une condition. L'ordonnanceur est réveillé. Quand il est réveillé, il change la variable tour pour que ce soit au tour de quelqu'un d'autre, etc., etc. Si vous voulez faire quelque chose que avec des instants, comme pour les first thread, hein, c'était, je crois, la fin de l'exercice, il faut que vous gardiez dans votre tableau tous ceux qui ont déjà fait une étape qui ont déjà fait un tour et que vous les gardiez pour la et que vous donniez le vous changiez votre variable tour à une autre valeur qui n'a pas encore été prise. Vous les faire dans l'ordre par exemple et dire à chaque fois je prends compteur compteur plus 1 et j'attends que tout le monde ait fini. Et à ce moment-là vous avez quelque chose qui ressemble au first thread sans évidemment le système d'événements qui est la magie du synchrone puisque vous avez un thread ordonnanceur qui va dans l'ordre qui va donner la priorité dans l'ordre à chacun des threads que vous manipulez. Donc voilà globalement, hein, sans rentrer dans les détails, ce qu'on pourrait faire. Et il faut que je parle un peu de first thread avant la fin, que je donne un exemple d'écriture de first thread pour que ça vous lance. Alors évidemment, vous avez le cours et surtout l'API des first threads qui vont bien vous servir pour le TME, mais ce serait bien d'avoir un. Oui, dans le cours, j'ai donné l'exemple du ping-pong que vous pouvez bien sûr utiliser pour reprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai moi pour mes first threads? J'ai ma routine que je vais donner à chacun de mes first threads. Qui prend en argument une phrase, donc l'argument c'est un void d'étoile, et qui dit je vais boucler en permanence en disant j'écris sur la sortie standard fprintf sur la sortie stda quoi
pourquoi c'est un fprintf et pas un print. Je vais faire un printf et je vais écrire la chaîne de caractères qui correspond à phrase castée en quart étoile. Hop. Donc ça, c'est ma routine. Ma routine, elle écrit en permanence la phrase que je lui ai donnée comme argument. Et évidemment, je vais utiliser cooperate, le cooperate des firstThreads, pour indiquer à tout le monde que c'est la fin de mon tour une fois que j'ai écrit une fois ma phrase. D'accord ? Donc la routine, elle prend une phrase, elle écrit sa phrase, elle boucle en permanence, et sa boucle, c'est d'écrire une fois sa phrase et ensuite de coopérer. Et mon main, ça va être de créer un scheduler, on se souvient que c'est important, que je vais appeler intelligemment schedule. En utilisant, vous avez l'API des firstThreads à votre disposition, il y a le lien sur Moodle, et il y a les transparents, en utilisant ftschedulerCreate. Ensuite, je vais, vous savez, quand on crée un thread, on le crée sur un scheduler existant. Je vais créer un thread sur le scheduler sched, et qui va implémenter la fonction runp, qui aura son set d'attributs vide, là, on ne sait jamais ce que c'est, ce truc-là, et à qui je vais passer comme la chaîne de caractères belle marquise ici. Et après, je peux continuer et faire un thread pour chacun des morceaux de la phrase. Et belle marquise, vos beaux yeux me font mourir. Et d'abord. Et voilà. Et la question, évidemment. Alors après, oui. Donc. Create. Et alors après, on a dit que dans l'API des firstThreads, il y avait une distinction entre la création d'un scheduler et son exécution. Donc pour l'exécuter, il faut que j'écrive ft scheduler start. Et là, je demande à lancer le scheduler sched. Donc je crée un scheduler. J'espère que vous avez bien compris les firstThreads. Sinon, il faut me le dire. Hein, si vous voulez que je réexplique ce que ça veut dire un scheduler et d'attacher un thread à un scheduler, il faut le dire. Donc là, je crée un scheduler. Je crée ensuite 4 threads que je rattache à ce scheduler. Et ensuite, je lance le scheduler. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur la sortie standard? Qu'est-ce qu'on va voir sur la sortie standard? On va voir écrit la phrase initiale qui va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je réexplique ici. Qu'est-ce qui se passe? Quand on crée un scheduler, on crée un ordonnanceur explicite. Donc ici, je crée un scheduler qui s'appelle sched. Et ensuite, je vais créer des threads qui vont être rattachés... Oui, c'est très bien, vous avez tout à fait raison Thibaut, c'est ce que je voulais vous faire dire, c'est la solution, c'est qu'on va avoir uniquement la phrase dans l'ordre, ça c'est super. Donc vous créez un scheduler sched, ensuite vous créez un premier thread, T1, qui dit belle marquise en boucle. Il dit belle marquise et il coopère. Et vous le rattachez au scheduler sched. Ensuite vous créez un thread T2 qui dit vos beaux yeux, et vous le rattachez à sched. Puis un thread T3 qui dit me font mourir, et vous le rattachez au même scheduler, et ensuite un thread T4 qui vous dit d'amour. Et donc là, vous avez branché vos 4 threads sur le scheduler et vous lancez le scheduler. Que fait le scheduler? Le scheduler, il fait qu'il va prendre dans l'ordre chacun des threads et il va le laisser parler, il va le laisser calculer jusqu'à synchronisation explicite. Donc ça veut dire que le thread T1, il va lancer sa routine, il va rentrer dans son while true, il va écrire belle marquise sur la sortie standard,
Et ensuite, il va coopérate. Coopérate, c'est la synchronisation explicite. Donc, il va écrire sur la sortie standard, il va y avoir belle marquise. Et ensuite, le thread là coopère. Quand il coopère, le scheduler, il s'arrête. Le scheduler élit le suivant dans l'ordre. Et lui dit, vas-y, T2, tu joues jusqu'à ce que tu coopères. T2, il va rentrer dans son while. Il va dire, vos beaux yeux. Il va coopérer. Clouc, ça va passer à T3. Le scheduler dit, maintenant, c'est à toi, T3. Me font mourir. Et c'est fini. D'amour, T4, c'est fini. Et après, donc une fois que chacun des threads a joué une fois jusqu'à coopérer, on appelle cette période un instant. Dans un instant, les quatre threads auront joué une fois. Ils auront eu la chance, dans l'ordre, de faire leur calcul, jusqu'à ce que le thread signale explicitement qu'il coopère. Alors évidemment, vous vous rendez compte que si jamais un des trois threads, il avait eu un code différent, où on n'aurait pas mis coopérer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez une boucle infinie. Le premier va coopérer, le deuxième va écrire et va coopérer, et le troisième va boucler sans jamais coopérer, et le scheduler, il est gentil. Il n'interrompt pas un thread qui coopère pas. Et quand il y a deux schedulers, comment ça se passe? Alors c'est évidemment le passage intéressant, celui qu'on donne aux examens de TME de tout à l'heure. Si jamais il y a deux schedulers, sked et sked 2, par exemple, et que ici il y a le thread T'1, T'2, T'3, et que eux, ils écrivent il me faut une trilogie qui soit quelque chose d'avouable. Ils écrivent Inferno L'alphabet? pardon? L'alphabet? Oui, A, B. l'alphabet, comme ça. Et eux, ils écrivent A, B, C. Alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais ces deux schedulers existent en même temps? Eh bien, il va y avoir un entrelacement, puisqu'il va y avoir préemption entre les deux. Il va y avoir un entrelacement du calcul lié à ce scheduler-là et du calcul lié à ce scheduler-là. Mais au sein de chaque scheduler, les choses vont se passer exactement comme ça. Donc une possibilité qu'on ait, c'est belle marquise, vos beaux yeux, A, B, C, A, me font mourir, B, d'amour, belle marquise, A, pardon, C. C, A, B, C, A, B, vos beaux yeux, etc. Donc, on a un entrelacement classique de thread POSIX entre les deux schedulers, mais au sein de chacun des schedulers, on a une gestion à soi des threads qui y sont liés, qui font qu'ils coopèrent dans l'ordre. Et donc, il n'y aura pas deux fois belle marquise de suite tant qu'il n'y aura pas eu un vos beaux yeux, parce que ça veut dire qu'il y aurait deux instants de belle marquise avant d'un instant de vos beaux yeux. Donc voilà pour les threads, les fair threads, et surtout, il faut que vous vous rappeliez de cette histoire de scheduler qui est coopérant au sein de lui-même, et par contre, qui est en préemption classique avec les autres schedulers. Et on a vu évidemment le truc intéressant, c'était qu'on avait des méthodes qui s'appelaient unlink et link à un scheduler, qui permettaient à un thread de se délier d'un endroit pour se lier à un autre. Et quand il se lie à un autre, il se met à la fin et il attend la fin du tour courant, et au prochain tour, il sera dans la coopération de ce scheduler. Donc ça permet de faire des choses intéressantes. Et là, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas parler des événements. Parce que probablement. Enfin, j'ai expliqué un peu comment ça marchait les événements dans le cours. Donc, n'hésitez pas à regarder le cours. Il n'y en a pas besoin. Est-ce qu'il y en a? C'est vrai ça? Si, il y en a besoin pour la fin du TME. Et en fait, je préférais expliquer le TME plutôt que de regarder cet examen réparti, est-ce que je peux le regarder très vite? Donc il y avait 10 robots, 3 chaînes de montage. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit? Pouf, pouf, pouf. Donc 10 robots, 3 chaînes de montage et une chaîne de repos. Donc ça voulait dire que dans ce partiel,
On avait une chaîne de montage M1, une chaîne de montage M2, une chaîne de montage M3 et une chaîne de repos. Et en fait, ces chaînes de montage, vous voyez, elles se sont des schedulers. Donc ça veut dire qu'elles vont introduire la coopération au sein des threads qui seront reliés. On a 10 threads robots. Donc on a un vecteur de 10 threads de robots. Et évidemment, les robots vont pouvoir être liés à chacune des choses ou pas. On a un chef et un secrétaire qui sont aussi des threads. Donc un thread chef, un thread secrétaire et 10 threads robots. Et alors qu'est-ce qui se passe? Dans chaque chaîne de montage, il y a au maximum deux robots qui travaillent en coopération. Donc chaque chaîne de montage doit avoir un NB robot. Donc il y a un vecteur NB robot. Et lui, il y a NB robot de 1, NB robot de 2, NB robot de 3 qui sont ici. Et il y a un tableau partagé qui s'appelle affectation pour les 10 robots et qui est initialisé à moins 1 ou à une chaîne de montage. Donc moins 1 si le robot est au repos et 3 si le robot numéro 2 est lié à la chaîne de montage M3, par exemple. Le système fonctionne comme ça, les 10 robots, le chef et la secrétaire, au début sont au repos. Donc au début, les 10 robots sont là. Donc ils sont liés à un ordonnanceur repos qui va donner la main à chaque robot. Et ensuite, le chef va passer dans chaque chaîne de montage. Donc le chef va se délinker de repos pour se linker à la première chaîne de montage. Et il va regarder combien il y a de robots dans la chaîne de montage. Et si jamais il y en a moins que 2, qui est le maximum, hein, c'est un truc qui est hard-codé. S'il y a moins que 2 robots dans une chaîne de montage, le chef, il va, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à la secrétaire de faire venir un robot. Donc la secrétaire, à mon avis, elle reste dans la chaîne de repos, ou le secrétaire, il reste dans la chaîne de repos. Il va décider au hasard des robots, en prenant un robot non affecté. Donc le chef, il regarde le tableau d'affectation, donc probablement que le tableau d'affectation, il est moralement lié au repos, il cherche un robot libre et il l'envoie là-dedans. Donc le robot se délinque, le robot qui était lié ici, il se délinque de là et maintenant il se lie à la chaîne dans laquelle on vient de l'appeler. Et quand les robots sont dans les chaînes, ils travaillent, c'est-à-dire donc ils arrivent, ils incrémentent NB robot pour dire il y a un robot de plus, je viens d'arriver. Il boucle 5 fois en travaillant, donc en écrivant des choses sur la sortie standard, peu importe. Et ensuite, il décrémente le nombre de robots et il retourne se reposer. Donc, ils remigrent vers la chaîne repos et ils mettent leur affectation à moins 1. Donc, du coup, vous devez écrire une procédure robot qui est en repos ici. Quand elle est affectée par la secrétaire, elle se déplace à un endroit. Quand elle est à cet endroit, elle incrémente le nombre de robots pour dire qu'elle est là, elle fait sa petite affaire, elle décrémente le nombre de robots, elle retourne au repos et elle remet son affectation à je suis disponible. Vous devez programmer une secrétaire qui reste sur le repos et qui affecte les robots au premier truc disponible. Et vous devez programmer un chef qui, lui, parcourt les chaînes de montage et regarde si la chaîne de montage est à deux robots ou pas. S'il y a toujours deux robots, il fait rien. S'il y a moins de deux robots, il communique avec la secrétaire, en utilisant probablement un truc privé avec Mutex, comment il se passe. Donc du coup, vous devez identifier, c'est toujours le cas dans un problème de first thread, vous devez identifier les choses qui sont liées au scheduler et des choses qui sont intra-scheduler. Donc vous voyez que nombre de robots de i, c'est lié au scheduler i, vous n'aurez jamais besoin de le protéger. Ensuite, le tableau d'affectation, il est lié à la chaîne repos, donc vous n'aurez pas non plus besoin de protéger affectation. Par contre, la communication entre le chef et la secrétaire, il se fait inter-scheduler, et donc vous aurez besoin d'un mutex à ce moment-là, d'un lock and lock autour de la mémoire que vous allez utiliser pour communiquer entre le scheduler ou pas. Donc pour résumer, quand vous avez un problème de first thread, vous faites un schéma en identifiant quels sont les schedulers et quelles sont les possibilités de migration. Je vais le mettre ici. En 1, on définit quels sont les schedulers et les threads affectés.
Et en deux, on réfléchit aux possibilités de migration. Quand est-ce qu'il y a un thread qui quitte un scheduler pour se lier à un autre scheduler? Et en trois, on réfléchit aux ressources, lesquelles sont partagées entre schedulers. Celles-là, il faudra les protéger. Et lesquelles sont liées à un scheduler. Il y a que des threads qui sont liés à ce scheduler qui peuvent toucher à cette ressource. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de les protéger. La coopération du scheduler nous assure qu'il n'y a pas deux personnes qui vont essayer de les modifier en même temps. Donc voilà. Et une dernière illustration de ça, parce qu'il est bientôt l'heure, ça va être de parler du TME. Et je vais faire ce même schéma pour le TME. Donc c'est une histoire de producteur-consommateur, où on a un thread principal qui crée des tapis et les autres threads, N producteur, M consommateur, et des threads messagers. Ah oui, pardon, on a deux tapis. Donc j'avais fait le schéma en cours, mais je le refais ici. Vous avez un tapis de production. C'est le tapis de production et il a une taille limitée. Vous avez ici un tapis de consommation qui a aussi une taille limitée. Et vous allez avoir des threads producteurs qui vont rajouter des objets sur le tapis de production. Évidemment, il faut qu'ils s'arrêtent de rajouter des objets momentanément lorsque le tapis est plein et qu'ils reprennent lorsque le tapis est à nouveau non plein. Et vous allez avoir des threads consommateurs qui vont faire la même chose ici. Il faut évidemment qu'ils s'arrêtent de consommer quand le tapis est vide et qu'ils se remettent à consommer quand le tapis est non vide. D'accord? Et ils ont des méthodes pour enfiler ou défiler des paquets sur leur système. Bon, ça ressemble à ce que vous avez fait la semaine dernière. Chaque producteur a un journal qui peut écrire sur la sortie standard en disant j'ai produit ça, je me suis endormi, j'ai produit ça, etc. Ça permet de tester votre petit programme et de voir qui fait ce qu'on veut. Et évidemment, le truc rigolo, c'est qu'on va avoir des threads messagers qui vont vivre entre les deux tapis. Et les threads messagers peuvent être soit liés à un tapis d'entrée, au tapis de production, soit liés au tapis de consommation. Quand ils sont liés au tapis de production, ils vont défiler un objet du tapis, ils vont l'enlever du tapis, et ils vont le garder. Non, 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 je vous ai dit, Amine, ne vous en faites pas, j'essayais de le dire au début et de le décrire sur le Discord aussi. Vous rendez plus tard, c'est pas grave. Je regarderai à la fin ce que vous m'avez rendu. Et si jamais vous n'avez pas le temps de finir parce qu'il y a autre chose en CPA ou je sais pas, vous aurez du temps, probablement, hein, mais c'est quasi sûr, à la fin de l'UE pour terminer ou refaire les TME avec lesquels vous n'avez pas eu le temps de finir. Donc surtout ne vous mettez pas dans des situations de stress pour du rendu de TME. Donc le thread messager 1, là, il est lié au tapis de production. Il veut récupérer ce qu'il y a au bout de la file, enfin au bout de la file, à l'entrée de la file, enfin le premier de la file. Il l'enlève de la file, il le garde avec lui, il se délie de ce tapis. Donc il arrive, là le messager M2 il est dans ce cas-là, il est lié à nulle part, mais avec lui il a un petit paquet. Et ensuite il essaye de se lier, enfin il finit par réussir à se lier au tapis de consommation, et quand il est au tapis de consommation, si le tapis est pas plein, il pousse dedans. Donc il pousse son paquet dedans et il dépose son paquet dans le tapis de consommation, qui sera éventuellement, enfin au bout d'un moment, consommé par un des consommateurs. Donc il faut que vous désigniez il faut que vous décriviez. Donc là voilà, j'ai fait le schéma du système et on a dit que ce qui était important quand on avait le schéma, c'était de décrire quels sont les schedulers possibles. Et les schedulers possibles, c'est le scheduler de production et le scheduler de consommation. Quels sont les threads liés à chaque scheduler? Bah, les threads de production, ils sont liés au tapis de production. Les threads de consommation, ils sont liés au tapis de consommation. Et les messagers, ils sont liés aux deux. Il y en a même qui ne sont pas liés du tout. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ce TME, c'est quoi? C'est même mon discours de la méthode. C'était en trois les ressources. Alors les ressources, c'est quoi? C'est
le tapis de production et le tapis de consommation. Est-ce que j'ai besoin de protéger le tapis de production? Ben non, parce que les seules choses qui touchent au tapis de production, c'est les threads producteurs et les messagers qui sont liés à ce tapis. Donc j'ai pas besoin de mettre des mutex sur le tapis de production. Et pareil ici, j'ai pas besoin de mettre des mutex sur le tapis de consommation parce que les seuls qui touchent au tapis de consommation, c'est les threads messagers qui s'y sont liés et les threads consommateurs. Donc là, on voit ce qu'on gagne à faire des fair threads, c'est qu'on n'a plus besoin de se taper des mutex partout parce qu'on a réussi structurellement au niveau du design de l'application de lier des ressources à des schedulers. Et par contre, le partage entre ressources, il va pouvoir se faire avec des threads qui vont migrer et qui vont aller d'un scheduler à l'autre. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre à chaque fois? Les producteurs et consommateurs, c'est toujours la même chose. Ils produisent des pommes 3 et puis les consommateurs, ils lisent ce qu'ils sont en train de regarder. Les threads messagers, machin, et il faut s'endormir et se réveiller. Et donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez écrire, et on va considérer que ce sera un travail quasi suffisant, ou voire suffisant, d'écrire quelque chose sans événement. Donc si vous l'écrivez sans événement, vous allez avoir des problèmes d'attente active au niveau de lui qui essaye de consommer alors que le tapis est vide, alors il va boucler. Et c'est pas très grave parce que à chacun des tours, il va regarder est-ce que le tapis est vide, et si le tapis est pas vide, eh ben il va coopérer et donc ça va passer au suivant. Donc on n'est pas en train de prendre plein de cycles pour rien, on est en train une fois par tour de prendre un cycle pour rien. Mais ça peut être intéressant de rajouter un système d'événements. Si vous regardez dans le cours comment marchent les événements, si le tapis est vide, celui qui produit, il produit l'événement non vide, et si le tapis est vide au moment de consommer, lui s'endort en attendant que l'événement non vide arrive. Et il va falloir utiliser le await des fair threads que j'ai montré en cours pour attendre que cet événement arrive. Et pareil de l'autre côté, on va pouvoir faire pareil ici. Il faut en plus de non vide, il faut aussi non plein parce que eux ils doivent s'arrêter quand le tapis est plein. Et lui, si le tapis est plein et qu'il consomme, il doit signaler non plein. Donc pour les deux tapis, vous allez avoir dans chacun des schedulers, vous allez avoir un événement non vide et un événement non plein qui vont vous permettre d'endormir et de réveiller les threads au bon moment. Voilà, je m'arrête là. J'attends juste 3-4 minutes pour savoir si vous avez des questions auxquelles je peux répondre oralement. Enfin, pas 3-4 minutes, mais j'attends 30 secondes pour savoir si vous avez des questions auxquelles je peux répondre oralement. Et sinon, vous pouvez poser vos questions sur Discord de manière plutôt asynchrone dans la semaine, y compris pour plus tard. Qu'est-ce que vous retenez de cet aider en attendant? Vous retenez la partie 1, hein, elle peut vous sembler accessoire en disant qu'est-ce qu'on a fait avec ces histoires de train, mais j'essaye de vous faire réfléchir à comment on modélise un système, comment on extrait la structure d'un système et pour ensuite pouvoir la vérifier et vérifier des propriétés concurrentes. Pour ce qui est comptage au musée, manipulation des threads, c'est pas très important parce que c'est des choses que vous savez faire. Une fois que vous avez compris les mutex et les conditions, peu importe le langage, bon bah vous avez compris. Et puis surtout, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est difficile de programmer avec des mutex et des conditions et qu'on aimerait bien s'en sortir. Et puis pour les fair threads, il faut juste que vous compreniez cette histoire de la démarche qui consiste à prendre un système, à le diviser en scheduler, à réfléchir à comment on peut passer d'un scheduler à l'autre, et à réfléchir à quelles sont les ressources qui sont partagées entre scheduler et celles qui sont fixes à un scheduler. Une fois que vous avez compris ce système-là, vous avez compris les fair threads, et après le reste, c'est de la manipulation de GCC, etc., qui sont pas forcément. Est-ce qu'on a jusqu'à demain pour la première soumission? Oui, si vous voulez, oui. Il y a des dates sur le Moodle, mais prenez pas ces dates comme des vrais deadlines. Hein. De toute façon, vous pouvez rendre en retard. Et ce qui compte, c'est que quand je corrige à la fin, je veux voir si vous avez fait quelque chose le jour même ou le lendemain, et par rapport à votre rendu final, et de regarder un peu les deux. Et encore une fois, on essaye d'avoir une notation bienveillante. L'idée, c'est. Je vous ai dit, hein, ceux qui ont raté PC3R l'année dernière, c'est des gens qui avaient complètement décroché. Et donc l'idée, c'est un peu de faire la différence entre les gens qui suivent et qui ont travaillé chez eux les TD et ceux qui sont plus là, et d'être bienveillant quand même avec
avec tout le monde, et donc c'est pas moi qui vous stresserai sur les deadlines cette année. Maintenant, après, c'est à vous aussi de faire attention au fait que si vous repoussez tout en même temps, à la fin, il y aura bien une grosse deadline qui est celle qu'à un moment, il faut qu'on rentre les notes. Et si c'est quand tout va arriver d'un coup, parce qu'il va y avoir les examens à la fin, ça risque de faire trop d'un coup. Donc, gérez bien votre temps, et si vous avez des soucis ou des difficultés, n'hésitez pas à en parler au niveau des UE, au niveau du master. Merci, et puis à plus tard sur Discord toute la semaine. J'essaye de répondre quand vous posez une question. Au revoir.